Mohamed, est-ce que vous pouvez me répondre simplement à une ou des questions par oui ou par non ? Et puis après, comme ça, je saurai votre position. Non. Ah, sauf si vous me répondez vous aussi par oui ou par non. Ça mérite d'être clair. Mohamed, vous allez nous rappeler. Sauf si Pascal, vous me répondez aussi par oui ou par non. Ah ben moi, je réponds par oui ou par non à toutes les questions possibles. Alors, on fait le même jeu. Donc, question à vous et question à moi. Eh ben, question. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste ? Non. Bon, la discussion. Mais je vous pose une question. La discussion est difficile. La discussion va être difficile après. Pascal, nous avons dit que vous posez une question. Vous avez raison. Je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza ? Des civils. J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Raguenel veut intervenir. Louis. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui ? Enfin, ils se défendent, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza ? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed... Vous voyez, on ne joue pas le même jeu. Mais je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh bien, moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner, puisque ça s'appelle une réponse. Non, donc sinon. Donc, vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc, on continue, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est on un peuple oui qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël... ne vise pas des civils. Ah bon ? Non.